Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici sur www.max25.be. Nous sommes en réunion d'entreprise. La première de l'année 2015, c'est Avia Partner. Avia Partner, c'est quand même un partenaire de poids maintenant qui est arrivé chez nous. Nous en sommes très heureux. Avia Partner, c'est Dieu sait combien d'aéroports. C'est 6000 personnes, en tout cas au niveau de l'emploi. Ici à Biergé, c'est pas loin de 170 personnes. Et nous avons fait une présentation aujourd'hui donc, dans les bâtiments d'Avia Partner avec, comme vous voyez derrière moi, pas loin de 40 entreprises. Ça m'a fait évidemment très, très plaisir. Et c'est d'ailleurs la première réunion Max 25 où nous avons dépassé allègrement le chiffre fatidique. Alors, je vais vous présenter une société qui est en première page de Max 25 édition, c'est Charles Sardeau, c'est Royal Construct. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil derrière moi, ça discute à faire, c'est une bonne chose. Je vous invite également à venir jeter un petit coup d'œil sur l'agenda www.max25.be. Vous retrouverez donc l'agenda des prochaines manifestations. Il y en a une de poids qui aura lieu le 27 février. Nous partons à Barcelone pour les essais de la Formule 1 chez Lotus avec évidemment KHER qui est avec nous, KHER Mercedes. Pourquoi ? Évidemment, le lien de Lotus, c'est sa motorisation qui est passée Mercedes maintenant, donc on est vraiment dans l'actualité. Quelques autres entreprises seront annoncées bientôt pour ce départ d'une journée tout à fait incroyable. Voilà donc le site. Vous allez jeter un petit coup d'œil sur l'agenda. N'oubliez pas de réserver en temps et ailleurs pour avoir le plaisir de vous accueillir et de présenter votre entreprise aux autres. Et donc voilà, on va aller voir Charles tout de suite pour la présentation de son entreprise. Charles Sardeau est avec nous pour la réunion Max 25 Avia Partner aujourd'hui, janvier 2015. Charles Sardeau, je suis très heureux de te retrouver ici. Alors, c'est ta première réunion Max 25, c'était 40 ans aujourd'hui. Royal Construct, ça démarre quand même pas mal. Et il faut quand même savoir, si vous ne le savez pas, la première page de Max 25 édition, c'est pas le New Times, on est d'accord. Bon, enfin, voilà, on a la chance de l'avoir avec nous. Charles, félicitations. Alors, ton impression de la réunion, et puis Royal Construct, c'est une société de la construction, mais qu'est-ce qu'elle a de particularité, en fait ? Ben ici, donc, Royal Construct, donc, depuis le 1er août 2014, a été acquis par le groupe 4M et moi-même. Et ici, depuis la reprise, de gros chantiers en perspective, notamment l'extension de halls industriels. On travaille pour le CHU. Et la particularité de Royal Construction, c'est que c'est une société qui a quasi 30 ans d'âge. On a des hommes qui ont 15 à 25 ans d'expérience. Et on fait aussi bien les petites transformations que les grosses transformations. On travaille pour l'AIDE, des shops de visite, vraiment des travaux très spécifiques. Quand c'est compliqué, souvent on pense à nous. Donc voilà, mais on fait aussi bien des nouvelles constructions, des immeubles d'appartements, des halls industriels. Donc très large, aussi bien du public que le privé, parce qu'on est classe 4 ici pour les marchés publics. Alors on parlait tout à l'heure d'ossature bois au niveau de Royal Construct. L'ossature bois s'adapte quoi ? Il peut s'adapter également sur le secteur industriel ? Bien sûr, ici c'est une tendance de plus en plus car on doit construire de plus en plus écologique. Donc on a des clients qui viennent chez nous, des architectes qui veulent construire en ossature bois. Donc ici on peut proposer via des partenaires la conception de maisons en ossature bois. Donc ce sera un projet pour les années à venir. Alors justement au niveau du projet, au niveau de la formation, je vous invite à aller voir en bas de page le site internet de Royal Construct. Son adresse mail, n'hésitez surtout pas à poser une question à une réunion de chantier, à prendre peut-être votre architecte sous le bras et à rencontrer un homme qui, à mon avis, va faire pas mal dans la région et j'en suis très heureux. Charles, une bonne fin de journée, un grand merci, à bientôt. Max 25, en réunion Avia Partner, on devait absolument passer avec un des responsables de Avia Partner Liège, M. Mustapha Weich. Alors, on est très content de te voir ici, très heureux de nous avoir accueillis dans les installations de chez Avia Partner. On y rencontre beaucoup de choses, il y a malheureusement encore bien de choses à voir ici dans la société. Mais en fait, Avia Partner, c'est quoi exactement ? Quelle est la mission d'Avia Partner au niveau du fret ? Oui, bonjour tout le monde. Avia Partner représente 1 sur 35 des sites ici en Europe, surtout Liège qui est devenu un des sites les plus importants en question de cargo. Donc, il ne faut pas oublier qu'en 2013, Avia Partner, dont Ethiopian Airlines est cliente, et que Ethiopian Airlines a poussé pour avoir Liège Aéroport comme le premier au monde entier concernant le cargo. Et nous avons parmi nos meilleurs clients et nos grands clients El Al d'Israël, Qatar Airways et Ethiopian Airlines. Pour l'occasion, je suis ravi d'avoir tous ces gens. On est plus de 25 personnes normalement
on a dépassé la limite et ça nous fait un grand plaisir. Et tout le monde est le bienvenu du Max 25 et j'espérerai que ça sera refait l'année prochaine et des années, pourquoi pas. Merci. Et bien voilà, ça se clôturera notre réunion Max 25 ici à Via Partner. Je vous invite à aller voir le site Via Partner qui s'affiche en bas de page pour aller voir un petit peu plus clair et le développement de cette entreprise, qui est une entreprise belge quand même, qui a été créée en 1949 à Bruxelles et dont le CEO, mesdames et messieurs, est liégeois. Et donc voilà, nous avons une entreprise quand même dynamique avec un siège belge, produit en pleine expansion et nous en sommes très fiers. Donc voilà, je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous invite sur les 3fw.max25. Pour trouver la réunion suivante. Et la réunion suivante, ce sera début mars. Ce sera chez Mercedes Kalschauer à Verviers. Au revoir à tous et merci.